Donc en fait, on a un logiciel qu'on appelle un logiciel de CAO qui nous permet de dessiner vraiment tout l'encombrement de la voiture et d'essayer de mettre chaque partie à l'intérieur pour faire tout coïncider. On retrouve aussi les dessins à l'arrière, par exemple, des différents pare-buffles ici. Donc c'est des pare-buffles qui ont été dessinés pour limiter les chocs et puis pour protéger tous les équipements qu'on peut retrouver à l'avant comme à l'arrière du véhicule. Donc pour ce genre d'événement du Trophée Ambros, on a un règlement bien précis qui stipule que le châssis doit être avec des tubes donc ronds, avec des diamètres bien spéciaux. Le châssis en lui-même avec un véhicule complet et sa batterie représente 1,1 tonne. En fait là on a un marmois et nous mettons les châssis dessus pour les redresser, pour les construire en fait. Et actuellement, on est en train de refaire des pare-buffles pour les voitures qui ont été tordues. Donc on a fabriqué des marbres et on les remet en position, soit pour les réparer, soit pour en faire de nouveaux en fait.